Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, on va vous raconter un épisode étonnant de la Première Guerre mondiale. Ce sera suivi de notre agenda interreligieux. Pendant la guerre 14-18, 2344 soldats roumains, prisonniers de guerre allemands, sont morts de faim et de froid en Alsace. Ils ont été enterrés avec des identités incorrectes ou alors sous anonymat. Près de 100 ans plus tard, un historien a décidé de leur redonner leur identité et leur humanité. On voit cette histoire incroyable. Congratulations. Thank you so much. You are amazing. Thank you so much for... I'm so happy. Sad and happy. Cette scène a lieu l'été dernier, en pleine campagne du sud-ouest de la Roumanie. À droite de l'écran, Christophe. Cet historien a fait le voyage depuis l'Alsace pour rencontrer Dorine et Alina Machuka. Il voulait leur raconter le destin de leur arrière-grand-père, parti combattre lors de la Première Guerre mondiale, sans revenir. Voilà peu, Nicolae Machuka n'était encore qu'un matricule sur une croix au milieu des 473 prisonniers de guerre roumains enterrés au cimetière d'Haguenau. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre qui fait des morts de masse. On ne sait pas gérer ça. Donc on va enterrer rapidement. Alors on ne vérifie pas les identités, on ne vérifie pas si le nom est juste. On n'a pas le temps pour ça. Pendant 10 ans, l'historien a épluché les avis de décès alsaciens avant de tomber sur le matricule 35-778. L'officier d'état civil prend la peine de noter les numéros de matricule. C'est plutôt rare. C'est vraiment un coup du destin, finalement. Il a donc noté que c'est un prisonnier de guerre roumain, donc ça colle. Puis il a surtout marqué son nom, et ça m'intéresse beaucoup. Sauf que là, il a marqué Nicolai, donc comme pour les Russes, et les Roumains ne s'appellent en général pas Nicolai, et Makinia. Et avec ça, je dois faire en sorte de le retrouver. C'est dans les archives du Comité international de la Croix-Rouge qu'il découvre le nom exact de Nicolai. Déjà, quand on n'a pas de nom, c'est qu'on a perdu son identité, c'est qu'on n'a pas de dignité. Et donc ça, c'était pour moi la première des choses. Avant de penser à aller retrouver les familles, moi j'ai vraiment d'abord voulu tous les identifier. Après, évidemment, ça devient... le boulot de l'historien militant qui, après, veut transmettre et veut partager ses recherches avec les gens qui sont concernés. Oui. Son appel sur les réseaux sociaux a résonné jusqu'à la famille Machuka. Jusqu'à l'été dernier, ici, personne n'avait su ce qui était arrivé à leur aïeul. Let me explain him the story because I understand yesterday. Il, în septembrie 1916, au fost trimiși să apere la Târgu Jiu, de Carpați, de venirea nemților. Și în 1916 ar fi trebuit să primească sprijinul rușilor. Care ruși, ce să vezi, n-au mai venit niciodată cu niciun sprijin. Când au venit nemții, i-au luat prizonieri pe toți. Și nemții au început să-i trimită care în lagărele de muncă. Și l-au trimis în Alsacea și Lorena, în Franța. Până în ianuarie, februarie, au prins cea mai geroasă iarnă din istoria Alsaciei. Erau iarnă cu minus 30 de grade și ăștia erau limâncați de 4 luni, de 5 luni, de 6 luni. A fost imposibil să muncească, motiv pentru care nemții au zis ok, n-are sens să vă mai nici să vă împușcăm, nici să vă nimic, puteți să plecați acasă, că nici de muncă nu sunteți buni, nici nu strică mâncarea pe voi. Și i-au trimis acasă să plece și i-au murit de foame, practic, pe drum la întoarcere, între 28 februarie și 1 martie. In the night, in the sanitary train to La Strasbourg, and he died in the way. Cet échange avec Dorine, l'arrière-petit-fils du disparu, et son père, a profondément ému Christophe. Le père était plutôt dans quelque chose, il faut oublier, quoi. C'est, pour lui, tu vois directement que c'est un traumatisme, et que c'est un traumatisme qu'il n'a pas envie de réveiller. Et que quand je viens là, en fait, je viens déranger les choses. Je viens remettre en question quelque chose qu'il avait réglé, en fait, qu'il pensait avoir réglé. Parce qu'on, justement, il ne l'a pas réglé, parce que comme il ne l'a pas pu l'aborder. Mais on lui a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et que l'ignorance, dans ce cas-là, est le meilleur moyen pour ne pas souffrir. Et son fils, par contre, lui, qui dit, ben non,
On ne peut pas vivre dans l'ignorance, on ne peut pas accepter cette ignorance-là. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et finalement, on arrive à un espèce de milieu, comme ça, où chacun apporte à l'autre, dans la propre famille, où son fils convainc son père, tu vois, c'est quand même vachement important. Et ça donne une espèce d'équilibre de la mémoire, comme ça, qui est super intéressant. Bună ziua, prieteni meu! Bună ziua, Cristo! Et mai faci! Et cette mémoire naissante permet d'alléger le poids du silence. Eu n-am cunoscut-o pe străbunica, dar faptul că și-a botezat copilul născut la câteva luni după ce soțul s-a plecat în război. Și decide singură să-i pună numele soțului, să-i pună numele același nume, să-i pună copilului în condițiile în care el plecase la război și se pare că putea să nu mai vină niciodată. Asta înseamnă foarte clar că bunica, că străbunica a vrut să suplinească cumva lipsa lui. Și e că nu s-a mai întors e una, dar faptul că n-a primit niciodată o veste despre dacă se va mai întoarce vreodată sau nu, asta probabil că a fost ca o sare pe rană. Une douleur tout aussi profonde a conduit Christophe à initier ses recherches. Enfant, il venait avec son arrière-grand-père à la nécropole de Sulzmat, où reposent d'autres prisonniers de guerre roumains. Ancien soldat allemand de la Première Guerre mondiale, il avait été dans la campagne de Russie. Et en venant ici, en fait, il pensait à ses potes, à ses camarades qui étaient tombés là-bas, et puis qui finalement étaient enterrés là-bas, et dont personne ne s'occupait ou ne se souvenait. Et donc ici, pour lui, c'était le même lieu, en fait. Ces Roumains qui sont là, qui sait qui pense à eux, qui sait qui... Ils sont loin de chez eux, comme ses copains en Russie, quoi. Je le sentais vraiment quand on était là. Il avait cette atmosphère, il était triste, quoi. Il était vraiment triste. Inconsciemment, il a transmis un devoir de mémoire à son arrière-petit-fils. C'est dans plein de religions. Dans le Talmud, c'est écrit... voilà, à partir du moment où le nom n'est plus prononcé, on n'y pense plus, la personne, elle meurt une deuxième fois. Du coup, on a besoin de savoir qui sont ces gens. Là, c'est 678 Roumains qui sont enterrés ici. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ben rien, ça veut rien dire, 678 Roumains. C'est Anayon, c'est Yordache, Christache. C'est, là, ça prend une dimension humaine. C'est quelqu'un. C'est pas juste des soldats roumains qui sont morts. C'est chaque individu qui a sacrifié sa vie, qui a donné sa vie, qui a laissé derrière lui une famille, des enfants, une femme. C'est pas rien. C'est pas rien. Pour honorer le destin de Nicolae, ses descendants projettent d'édifier une croix dans son village natal. Il se întoarce cumva printr-un simbol și asta ar fi ca un fel de împăcare cu trecutul. Cumva, ar fi un fel de oblojire a acelei răni de care vorbeam, de bandajul care ajută rădăcina aia să continue să se dezvolte, ca să lase tulpina și apoi frunzele să crească, trăgându-și seva de undeva din rădăcină. Șcăpau, comune de Deveșel, dans le Iuleț de Meidins. En attendant de retourner en Roumanie, Christophe travaille sur une bande dessinée racontant l'histoire de Nicolae Maciuca, l'occasion de lui donner enfin un visage. Jusqu'à présent, Christophe a retrouvé l'identité de 2812 prisonniers de guerre roumains, morts en France pendant la Première Guerre mondiale. Il espère rencontrer autant de descendants. Comme vous l'avez vu dans ce sujet, Christophe Verlet aimerait faire publier une BD sur ce pan méconnu de la Première Guerre mondiale. Il cherche donc des mécènes, avis donc aux intéressés. Mais tout de suite, je vous propose de regarder notre agenda interreligieux. La Pâque juive, Pessah en hébreu, aura lieu du 23 au 30 avril. Elle commémore la libération de l'esclavage du peuple hébreu en Égypte et son départ vers la terre promise, telle que racontée dans le livre de l'Exode. Cette fête est célébrée dans le cadre communautaire et familial. Les communautés orthodoxes commenceront leur semaine sainte par le dimanche des Rameaux, le 28 avril. Elles fêteront Pâques le dimanche 5 mai. Le dimanche 21 avril, Mgr Pascal Delannoy, nouvel archevêque de Strasbourg,
est installé officiellement dans sa cathédrale. Il est ainsi le 107e évêque de Strasbourg. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.